Je vous remercie encore pour votre présence. Et je passe la parole à la responsable de service cohésion sociale, Félix Bénédic. Mesdames et messieurs, chers participants, chers conseillers, monsieur Légevin. Depuis quelques années, le concept de participation citoyenne, le concept de participation citoyenne ou de démocratie participative est devenu incontournable. C'est ce concept qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, à Charleroi, un mouvement commun, à la fois issu du monde politique, des citoyens et de l'administration, a voulu que le terme de participation citoyenne soit plus qu'une idée à la mode, mais devienne réalité. C'est ainsi que, depuis maintenant 2 ans, notre cellule cohésion sociale s'est vue confier la mission par le collège communal et par le bourgmestre M. Bonagnette d'accompagner 5 nouveaux conseils de participation, un dans chaque nouveau district. Le but de cette initiative n'est pas moins de permettre aux citoyens de faire des propositions pour leur ville et d'élaborer des projets collectifs pour améliorer leur quartier. C'est la ville hôte qui a été choisie pour initier le premier conseil qui a été appelé projet pilote. Après une première année d'apprivoisement mutuel, de débats animés, voire de confrontation, nous avons pu trouver ensemble le chemin de la cohésion. En effet, après cette nécessaire période de maturation, les initiatives et les réunions de travail avec différents responsables politiques et administratifs se sont multipliées. Cela a permis de remettre des propositions et de finaliser des projets, dont celui-ci, Charleroi Village du Monde. Depuis est né le 2e conseil de participation, Vauban 2, celui de Gilly. On a quelques conseillers ici dans la foule, j'aimerais ici d'être venu. Et le 3e conseil de participation est prévu à l'an 2016 sur Gosselies. Est-ce notre industrie et notre pays qui nous rappellent sans cesse nos valeurs fondamentales, les Carolos, c'est-à-dire la solidarité, l'accueil? Est-ce la richesse de notre diversité culturelle qui nous rend si ouverts d'esprit? En tout cas, ce que les conseillers de Vauban 1, mais aussi de Vauban 2 nous montrent aujourd'hui, et notamment à travers cette fête, c'est que le Carolo, s'il a la réputation d'être chaleureux, simple, accueillant, s'il se donne des bisous choux à tour de bras, il est aussi avant tout un citoyen impliqué et un citoyen amoureux de sa ville. Vous connaissez tous ce dicton, Carolo d'un jour, Carolo toujours, qui traduit notre attachement à notre pays noir. Et je remercie de tout cœur les conseillers qui confirment ce dicton. Aujourd'hui, au nom de toute mon équipe qui est ici à mes côtés, et au nom de l'ensemble de la division de prévention quartier de la ville de Charleroi, de Franco Guizzi, le chef de projet, de Fabrice Prada, le directeur, je tiens tout particulièrement à remercier le travail des conseillers qui ont donné de leur temps et de leur passion pour mettre en valeur notre diversité culturelle qui est le terreau de Charleroi. À remercier les services de la ville, dont le service Estia, sans qui ça n'aurait pas pu être possible, tous nos partenaires, la LPA et le CRIC. Je tiens également à remercier le cabinet de M. Légevin, Serge Beguin, qui a été présent tout au long de cette organisation. Et bien entendu, à remercier toutes ces associations originaires des 4 coins du monde et qui sont venues ici nous présenter dans notre parc Astrid leurs spécificités et leurs richesses locales. Sans eux, cette journée solidaire n'aurait pas pu se construire. Alors je terminerai en disant que quand je vois des journées comme celle-ci, ben, nous pouvons être fiers d'être Carolo. Nous pouvons être fiers de notre... Nous pouvons être fiers de notre beau coin de terre et nous pouvons être fiers de nous revendiquer citoyens du monde. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Eh bien voilà, la première édition Village du Monde est lancée. À vous de vous amuser, d'aller prendre le verre de l'amitié. Au nom de la ville de Charleroi, je vous souhaite une bonne journée. Alors, on me signale, bien sûr, c'est le conseil de participation, il est plus au courant.
différent que moi. Voilà, il y aura des spectacles l'après-midi, donc restez, revenez avec vos enfants, il y aura de l'animation tout au long de l'après-midi. Bon amusement. Et bien sûr, dans chaque stand, vous avez certains stands où vous pouvez déguster tous les produits du monde. Voilà, à bientôt, merci.